Zelda Ocarina of Time 3D Wolfloo, épisode 35. J'espère qu'on va arriver jusqu'au boss. Si ça continue, je vais jamais arriver à le finir. Je crois que j'ai passé jusqu'en année 3000. Ah, enfin arrivé à temps. La clé d'or se trouve quelque part cachée par ici. Et hop, c'est niqué, c'est vite fait. C'est rapide. Rapide et précis. On voit bien qu'on a bien fait d'aller chercher une autre petite clé. La grande clé! La clé du boss! La clé d'or. Vous trouvez la clé d'or! Vous pouvez désormais accéder au repère du maître des lieux. C'est sympa de votre pire! Votre père. En parlant du boss, il est quand même assez difficile à battre, mais moi j'ai la maîtrise à 101%. Le boss, normalement, en fait, il est noté 9 sur 10. Parce que, en fait, si vous faites prendre, alors là, oubliez. Ça va vous faire... Je crois qu'il va vous passer un de ces savons. Mais là, un de ces savons de maladie. What? Quoi? Pardon? Qu'est-ce que foutent les ennemis ici, hein? Comment ils ont su où j'étais alors que j'étais loin? Eh, j'étais loin. Alors comment ils ont su que j'allais arriver? C'est ridicule. C'est bon comme boss aussi, je l'aime bien encore. Mais mon boss préféré, c'est celui du temple de l'ombre. C'est après le temple de l'ombre. Hein? On dirait que j'ai fait un combat des jumeaux. Qui sont toujours au même endroit et qui sont nés et en moins quelques minutes sont déjà adultes. Si au moins je finissais dans Ocarina of Time 3D, plus vite je jouerais à Pokémon XD. Ah, trop envie d'y jouer à ce jeu, je crois vraiment. Bah, attends, je te coupe, hein. Ce qui va nous mener alors à la dernière salle. La salle du boss. Attention, là, il faut intérêt à courir et avoir une bonne maîtrise. Bah non, je viendrai pas, je fais ce que je veux en plus. Je sais, je suis sadique et fier de l'être. Merci. Sa mère. Link, attention, cette eau n'est pas normale. Pas là. Le maître des eaux commence à sortir de sa tanière. Merde! Morpha, amibe aquatique géante. Morpha n'est pas un boss facile à vaincre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Là, vous avez environ une chance sur 10 de l'attraper comme ça pendant qu'il fait le triseau. Enfin, comme ça, comme vous voyez là. Prenez votre super grappin et vous capturez. C'est rien de plus simple.
Le plus simple à faire, c'est de le coincer. De le coincer dans un mur. Mais là, j'ai pas réussi. Tu peux arrêter de faire le trison. Avant, j'ai réussi à le mettre dans un coin. Mais là, j'y arrive pas. Oh, c'est chiant quand il se met. Ça y est. Bon, d'accord. Là, il m'a échappé. Là, là, il va voir. C'était chaud. Au moins, de 6 ou 7 coups, il est mort. Bien sûr, avec l'épée Bigoron. C'est bon, le boss est dissous. Oh, il reste une mini-goutte. C'est ce qu'il faut pour faire un téléport. Au fait, Pluton. On va essayer tout de suite. J'ai 12 cœurs. C'est sympa. Maintenant, je dois parler avec Ruto, ma genre futur fiancé. Sanctuaire des sages. Link, tu es bien digne d'être mon futur époux. Le Mendora et son peuple vont enfin se libérer des glaces. Comme récompense, je t'offre mon amour éternel. Je suis choqué là. Ce n'est pas possible pour le moment. En tant que sage de l'eau, mon devoir est d'assurer la garde du temple de l'eau. Le tien est de chercher la princesse comment, Zelda? Ah, tu peux rien me cacher. La princesse Zelda est en vie. Je le sens, ne te décourage pas. La règle de justice et de la paix sera victorieuse, j'en suis sûr. Prends ce médaillon et garde-le précieusement. C'est mon 4e médaillon. Il m'en manque plus que 2. Comme ça, je vais pouvoir en parler au château de Ganon. Plutôt Ganon, pas Ganon. Recevez le médaillon de l'eau. Ruto se révèle être un des sages et vous confie son pouvoir. Bien merci à chaque de ma part. Ça me fait penser que je dois aller en au temple de l'ombre. Enfin, l'eau est enfin elle va enfin remonter et je vais pouvoir avoir mon objet spécial. Les flots s'élèvent et le mal se dissout. Tu as triomphé, Link. Ah, j'ai le nez bouché. Le nez qui coule encore. Ruto veut me remercier? Je vois. C'est aussi pour elle que nous devons ramener la paix en joie en Hyrule. Regarde, Link. La bête maléfique a péri. Toi, la princesse Ruto avait accompli cet acte héroïque. Les eaux pures et claires emplissent à nouveau ce paisible lac. Ouais, c'est magnifique. Hein? Shake est vraiment talentueux. Tout ce que je peux trouver. Un plouf. Forcément, parce que peut-être qu'il attrape un coup de soleil. Une petite bronzette. Vite, je dis vite mon arc. Vite. Ça y est. Et oui, on tire un arc au lever du soleil. Là, le soleil se dit: aïe, j'ai mal.
T'es malade ou quoi? Tiens, prends ceci, il me fait plus chier, ok? D'accord, je veux bien le prendre. D'ailleurs, c'est ce qu'il me faut. Il faut absolument qu'on retourne au village Cocorico. Il y a quelque chose à faire. Vous obtenez la flèche de feu, tirez pour embraser votre cible. Ou embrasser, mais c'est plus embraser. Ça fait tout drôle comme mot. Au fait, je n'ai pas dit, il y a un bug dans Zelda Ocarina of Time. J'ai fait un bug. On s'appelle le bug pour être sous les flots de la glace dans le domaine Zora. Et oui, c'est possible. J'ai essayé et ça avait marché. J'avais peu de chance d'y arriver. D'ailleurs, ça va toujours rester glacé même en étant adulte. C'est déprimant. Je dirais même triste. On va appeler Epona. C'est notre ami quand même. Amène-toi! Amène-toi, grosse vache. C'est bien. T'as arraché de l'herbe, je suis fier de toi. L'espèce de nom écolo, là. L'endurance. On sent qu'en fait, au temple de l'ombre, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous verrez sans doute ce qui se passe au temple au village Cocorico. Eh, mais c'est pas sauté ou quoi? Ok, j'aurais dû te donner plus de carottes. De toute façon, quand je te donne une carotte, je te limite te fais une fessée. Eh ben, dis donc. Allez, fessée. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? T'es plus mon copain ou quoi? Ok, pour moi c'est une fille quand même. Allez, fessez! Fessez, viens cheval! C'est bon, on est arrivé à destination. Et quand vous avez réuni les 4 médaillons, voici ce qui se passe. Et bien sûr, c'est une course cinématique. À propos de ceci. Quelque chose est en feu. Une maison est en feu. Et pourtant, après, le feu, il s'éteint en moins de quelques minutes. Shake. Arrière, Link. Hein? Oh oh. Le vent en train de l'emporter. Autant emporte le vent. Vous voyez cette ombre de portée? Eh ben... C'est le boss du temple de l'ombre. Vous pouvez pas le voir parce qu'il vous faut un objet spécial qui s'appelle le monocle de vérité. Mais je ne le possède pas et pour le posséder, il faut être une enfant. Eh oui, il s'est fait percuter. Bien, tu reviens à toi. Pour la suite du dialogue, prochain épisode.